Salut les amis, bienvenue sur la chaîne iSystem. Aujourd'hui, je vous fais la présentation d'une petite carbine bien connue dans le monde du survivalisme. C'est la Little Badger de chez Sherpa. Donc, c'est une petite carbine squelettée en 22 longs rifs, monocoque, plutôt sympa. Hein. Donc, elle m'a été livrée avec un petit modérateur de son et une lunette 3 par 9 par 40. Donc c'est une lunette d'entrée de gamme, mais elle fera largement l'affaire pour ce que je vais vous présenter. Donc c'est une arme qui est hyper compacte, hein. J'arrive à la faire rentrer dans mon petit sac de 26 litres de chez VanQuest, le IBEX 26, ce qui permet de la transporter en toute discrétion et en toute sécurité. On peut la trimballer partout, c'est vraiment sympa. Donc moi ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, je vais me rendre dans un stand de tir et voir le groupement de la carabine avec différentes munitions sur 50 et 100 mètres, voir la munition qui correspond à peu près le mieux pour ce genre de carabine. Donc ce qu'on a pu constater, hein, c'est que les munitions qui dépassent la vitesse du son, hein, donc comme la GECO semi-auto qui va à une vitesse de 350 mètres secondes, le groupement il est vraiment pas super. À 50 mètres, ça va encore. À 100 mètres, on est complètement dans les choux. Genre, on avait des différences, on avait des écarts de 10 cm. Donc c'est vraiment pas top, mais dès qu'on descend en dessous de 340 mètres secondes, hein, comme la CCI standard, hein, qui est à 326 mètres secondes, ou la SK, on arrive à avoir des groupements assez corrects. À 50 mètres, le groupement il est super, hein, on peut même faire du scoring, il n'y a aucun problème. À 100 mètres, j'avais des écarts de 4 cm, ce qui n'est pas énorme. Donc on peut faire des beaux résultats à 100 mètres. Ok, pour ce second test, hein, on se trouve dans un espace touristique privé, donc j'ai l'accord du propriétaire pour pouvoir faire des tests sur ce terrain qui sera plus sympa pour la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est examiner la carabine dans différentes positions, différentes distances, en utilisant comme cible des petits ballons, hein. Donc je les gonfle à environ 10 cm. Hein, voilà, pas très gros, et je vais voir à peu près comment se comporte la carabine sur différentes positions, assis, debout, couché, sur une distance de entre 50 et 100 mètres. Voilà. Allez, c'est parti.
Salut les gars, petit défi, j'ai vu il y a un espacement de 170 mètres. Je vais essayer de toucher le ballon à 170 mètres avec 5 cartouches. Allez, c'est parti, je vais vous montrer où ça se trouve. Il est tout là-bas, le petit ballon bleu. Premier coup, 170 mètres, premier coup, avec un relevé d'environ 90 cm au-dessus de la cible. Donc ça passe. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette arme? Ben, c'est une très bonne arme compte tenu de son prix. Elle fait très bien le job pour tout ce qui concerne le tir de loisir. On arrive parfaitement à tenir le 10 à 50 mètres. Et on parvient même à avoir des résultats plus que corrects à 100 mètres. Je suis parvenu à atteindre une cible à 170 mètres. Donc on peut avoir des résultats très corrects. Maintenant, est-ce que la carabine est parfaite? Non, bien sûr que non. J'ai relevé des points négatifs, notamment en ce qui concerne la crosse. Elle est très bien adaptée dès qu'on utilise les appareils de visée mécanique. Mais dès qu'on passe sur l'optique, on est obligé de surélever la joue. La joue ne touche plus la crosse pour pouvoir voir dans l'optique. C'est qui nous fait perdre un peu en stabilité dans le tir. Le deuxième point, c'est la prise en main de l'arme. Je pense que pour améliorer la stabilité de l'arme, il faudrait ajouter une poignée. Donc la marque apparemment a pensé à ce problème puisqu'elle y a pensé à y ajouter un petit rail Picatinny donc pour pouvoir ajouter une crosse. Donc ça c'est un petit problème à pallier. En finalité, est-ce que je conseille cette arme? Alors oui, c'est un grand oui, je conseille cette arme. Elle est pas chère, 150 euros sur le marché. Elle est compacte, elle est légère, elle est rustique, elle est très fiable. On reçoit des résultats plus que corrects, entre 50 et 100 mètres. Vous allez prendre beaucoup de plaisir, hein. Il n'y a pas à hésiter, pour 150 euros, prenez-la. Vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!